Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo car je vais vous présenter mon concours FIMO. Donc c'est un concours FIMO avec des lots YouTube. Donc voilà, je suis désolée, je fais pas des vrais lots pour le moment parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Enfin voilà, donc j'essaie d'un peu de faire connaître ma chaîne et en même temps ça pourra vous apporter quand même des lots, mais YouTube. On va juste commencer par les conditions. Alors, il faut être abonné à ma chaîne, aimer cette vidéo pour à peu près savoir combien il y a de participantes. Et il faut poster au moins un commentaire. Et c'est un commentaire par jour. Donc voilà. Ensuite, il y a les conditions qui sont facultatives. Donc ça, c'est juste que ça peut vous rapporter plus de points. Donc, c'est de poster plusieurs commentaires, mais toujours un par jour. Hein, et de poster une vidéo pour me présenter des créas FIMO que vous aimez et que vous voulez me présenter. Donc, pourquoi c'est facultatif? Parce que poster plusieurs commentaires, ça pourra vous faire rapporter des points. Pareil pour la vidéo. Donc, voilà. Donc c'est un concours que j'ai inventé moi-même parce que j'ai jamais vu personne faire ça. Donc c'est un concours où vous pouvez faire une vidéo et en même temps c'est un concours commentaire. Alors, une vidéo, si vous faites une vidéo en me présentant quelques créas, ça vous rapporte 10 points. Et c'est pas 10 points sur 20, sur 30, non, c'est 10 points, point. Oui, voilà, bref. Donc vidéo, ça vous rapporte 10 points. Les commentaires, bah, c'est simple, si vous en postez un, voilà, vous allez avoir peut-être un point ou deux ou trois ou quatre ou cinq. Je verrai. Mais par contre, les commentaires, plus vous postez de commentaires, plus vous aurez de points. Mais ce qui peut vous rapporter encore quelques points, c'est de poster des commentaires un petit peu, enfin, pas des commentaires où vous écrivez participation hashtag 1. Parce que si vous ne postez que des commentaires comme ça, participation 1, participation 2, participation 3, voilà, c'est pas très agréable à lire. Alors que si vous mettez quelque chose d'autre en plus, bah ça va me faire plaisir et en même temps, ça me donnera envie de vous rajouter quelques points. Donc si votre commentaire est un peu sympa, voilà, que mais sans me dire ouais des trucs genre qui sont pas vrais, vous vraiment, voilà, vous, c'est à vous de voir. Donc vous dites quelque chose en plus dans le commentaire et ça vous rapportera quelques petits points en plus. Donc c'est pas énorme non plus, mais ça vous rapportera quand même plus de points que si vous envoyez participation 1, 2 ou 3. Donc voilà, vous pouvez poster autant de commentaires que vous voulez. Donc voilà, j'ai fini pour les conditions. On va passer au lot, donc les lots YouTube. Donc la première, elle gagne un abonnement, 15 ou 20 j'aime. Une participation à son concours, c'est-à-dire, alors si maintenant elle fait un concours, et eh ben je participerai à son concours, elle gagnera une pub sur ma chaîne, et ça c'est facultatif, elle me dira si elle voudra, quelques commentaires sur sa vidéo, donc sur quelques vidéos, pas forcément que sur une, sur plusieurs, je peux lui faire quelques commentaires en disant comment je trouve sa vidéo. Voilà, si je l'aime bien, si c'est ce que j'aime, si elle a fait une vidéo à mes nouvelles créas, les créas que j'aime beaucoup, je peux lui poster des commentaires en disant j'aimerais bien le tuto de ça, etc. Donc voilà pour la première gagnante. Ensuite, la deuxième, elle gagne toujours un abonnement, 10 ou 15 j'aime, une participation à son concours et quelques commentaires sur ses vidéos. Et la troisième, elle gagne un abonnement, 5 ou 10 j'aime, une participation à un concours et quelques commentaires. Donc voilà, le concours commence ben, aujourd'hui quand je poste cette vidéo, donc c'est-à-dire le lundi 3 mars, voilà. Et elle se termine le vendredi 14 mars, donc ça vous fait à peu près 2 semaines. Oui, 2 semaines ça vous fait. Et je donnerai le nom de la gagnante ou du gagnant samedi le 13. Samedi 13 mars ou dimanche. Ah mince, non je suis bête. Pardon. Je donnerai les résultats le samedi 15 mars ou le dimanche 16 mars. Donc ça dépendra si je suis occupée ou autre. Donc ben voilà, je remets tout ça en barre d'infos pour que vous sachiez et je vous dis à toute bonne chance, bye.